Ses jours étaient comptés. Et sa mort pouvait survenir à tout moment. La vie de Daniel Claudio Krulik ne se serait pas transformée en fait divers si un juge de la Cour suprême de Pologne ne s'était pas fait voler son portefeuille le 11 juillet 2007. La grève de la faim de Krulik dure depuis maintenant 90 jours. Les médecins constatent la détérioration irréversible de l'état de santé de Krulik. Il arrive à l'hôpital de Cracovie dans un état avancé de dégradation. Il ne survit que 16 heures. Aux questions qu'on lui pose, il peut seulement répondre en secouant doucement la tête.